Bonjour tout le monde, retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où aujourd'hui j'ai montré l'usine la plus pétée sur Minecraft Bedrock donc pour la version PS4, euh, Xbox One, PE donc MCPE, Switch si je me trompe pas, euh, Windows 10, voilà toutes les versions qui ont Minecraft Bedrock. C'est ultra pété, euh, sans Looting 3 par nuit je faisais à peu près donc ce qui équivalait à peu près à 10 heures, ce qui équivalait, c'est pas très français ça, <laughs> toutes les 10 heures je faisais à peu près. 4 stacks de blocs d'émeraudes sans looting 3 donc si vous rajoutez un looting 3 je vous dis pas le nombre de minerais qu'on peut avoir, j'ai pas fait les stats, mais autant vous dire que c'est beaucoup, hein. voilà. Elle est au passage extrêmement facile à faire si vous rushez en une heure à les fêtes. Et encore je suis gentil si vous avez déjà tout placé, c'est-à-dire les villageois vous les avez juste à côté déjà amenés, les blocs vous les avez déjà farmés. En 30 minutes top chrono, vous l'avez fait l'usine, elle est super facile à faire, super rapide et elle est ultra pétée. Alors on est en version on est en version 1.14.60 Donc euh, Voilà, tenir compte hein, que ce soit peut-être patché si vous regardez la vidéo d'ici peut-être un mois, s'il y a la bêta de la Nether Update qui sort, je sais pas ou quoi que ce soit, faites attention, je peut-être que je mettrai en commentaire si ça a été patch. Mais là elle fonctionne parfaitement, elle est ultra pétée. Au niveau de l'XP, c'est pas énorme, je crois qu'on est à peu près à... 35 40 niveaux en une nuit moitié parce que j'ai eu des petits problèmes donc j'ai pas réussi vraiment à la faire tourner une nuit full sans cap bug donc voilà mais euh, voilà et au passage sachez que cette usine est très particulière il faut euh, la faire dans un on va dire très particulièrement il faut surtout pas oublier de mettre un certain petit nombre de blocs et euh, enfin un certain bloc euh, qui est le, le les petits feuillages, faut faire vraiment attention. Si jamais vous avez un bloc, ne serait-ce qu'une shulker ou un bloc comme ça, ça va casser l'usine. Les mobs vont spawn dessus. On va même pouvoir peut-être le tester si ça le montre. Ah, ben, ben ça a arrêté le raid. Est-ce qu'on va pouvoir relancer un raid direct Ou genre l'usine n'est pas assez rapide Attention, est-ce que ça relance un raid direct 3, 2, 1, un autre raid Non, peut-être. Voilà, sachez que l'usine peut avoir des petits problèmes. Ça m'est déjà arrivé, comme quoi, quand je me réveillais le matin, il euh, y avait plusieurs blocs qui étaient cassés, les raids, euh, enfin, ça avait un peu cassé l'usine, donc je sais pas pourquoi, alors que tout était patch, j'avais aucun endroit où c'est que les mobs pouvaient spawner. C'est très très bizarre, je vais essayer de... un petit peu chercher, mais si vous la faites parfaitement comme je l'ai fait ici, normalement, vous ne devrez pas avoir de problème. Et surtout, euh, ce qui va être le plus compliqué dans cette usine, ça va être de trouver un villageois et de l'amener là-haut, et de trouver une petite euh, tour de vie de pillager euh, en plein milieu euh, d'une zone sans... Euh... Sans rien et puis voilà donc c'est pas mal Je pense que on va passer au tuto Voilà pour les gens qui demandent en attendant euh, Au niveau des loots même si je vais à nouveau le répéter après euh, Il y a donc environ 100 looting 3 20 Emerald par euh, par, euh, qu'on s'appelle par raid, ce qui équivaut à un raid 1 minute 30 à peu près. Chaque raid, vous avez un totem of dying. J'ai déjà réussi, je sais pas comment, mais euh, à avoir deux totems en un raid. Or, c'est possible, je sais pas pourquoi, mais ça arrive. Vous pouvez avoir aussi des witch, donc tout ce qui est gunpowder et tout, mais c'est plus rare. Et surtout, pour avoir des livres, mais c'est pas des petits livres, les gars, c'est genre des livres avec 50 trucs dessus. Des fois, vous avez des mending avec Efficiency 5. Enfin, bon, c'est ultra pété, autant vous dire. C'est un peu plus rare, mais <laughs> voilà. Et au passage. Je vous conseille de faire un stockage très élevé, mais je vais vous montrer ça juste après quand on va faire le tuto. Mais avant ça, même si je vais le répéter après, parce que j'ai tourné la séquence après, etc. Euh, c'est très très important de euh, setup les euh, petits tridents. Vous allez comprendre après pourquoi on utilise des tridents. Euh, dans euh, à chaque fois que vous allez relancer l'usine et que c'est un nouveau joueur, de reset up les tridents. Mais je vais vous expliquer après à quoi ça sert et comment les setup. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller trouver un petit endroit pour faire cette usine et vous la montrer. Et on se retrouve après dès que j'ai trouvé un petit endroit et une petite tour de pillager assez ouvert et de préférence avec aucune montagne. Si jamais par exemple vous avez une montagne comme ça et une tour de pillager juste là, ne faites pas l'usine à cet endroit parce que vous allez potentiellement avoir des mobs qui vont spawn sur les côtés et surtout les raids. Donc faites vraiment vraiment attention. Bon, je vais faire une petite ellipse. On se retrouve dès qu'on a trouvé un petit endroit assez classe, assez clean. Bon, petit tips, ça sera exactement cet endroit, mais euh, dites rien, dites rien. <laughs> je, tourne la séquence, je tourne la séquence juste après, hein, dites rien. Juste... Bon, allez, petit ellipse, on se retrouve juste après quand j'ai trouvé une petite tour de villageois, un outpost bien calé. Voilà, j'en ai trouvé une qui est intéressante. Elle est juste ici, comme vous pouvez le voir. Elle est, euh, on va dire dans une zone plane, si on peut dire. Même s'il y a des petites monticules à côté, des petites genres de falaises. Enfin, pas vraiment des falaises, mais des petites bottes. On va dire que c'est plutôt pas mal, cet endroit. Et surtout, je vais vous faire afficher dès maintenant les matériaux à l'écran de ce qu'il faut. Alors, je vous mets dans le global. C'est-à-dire que je vais pas non plus vous faire afficher comme quoi il faut un villageois et tout. Mais, euh, je vous les affiche les, les blocs. C'est pas très compliqué. Euh, il faut surtout pas mal de feuillage. Mais c'est le truc le plus facile à farmer pas se mentir et euh, un petit peu de redstone c'est pas, pas non plus trop fort mais il faut surtout un villageois je vous le fais pas afficher mais comme ça vous le savez et donc maintenant on va commencer l'usine c'est le plus simple dans un premier temps pour qu'on facilite les choses je vais kill tous les mobs comme ça euh, oui si j'y arrive merci comme ça on va un peu mieux voir et en gros première chose donc quand vous allez arriver ici il va vous falloir comme vous l'avez vu euh, du verre en en vitre, pas en, en bloc. Vous le prenez et là vous allez faire un, une petite, euh, un petit genre de euh, Pourquoi j'ai mis du verre là-bas, je sais pas, un genre de petit, euh, une petite structure très spéciale. En gros, c'est euh, pour savoir où c'est que le mob va spawn parce qu'il spawn différemment selon les. Euh, les tours de, de, de outpost de pillager donc c'est pour ça qu'il faut faire le test c'est obligé vous devez passer par là obligatoirement donc vous mettez du verre comme ceci voilà vous faites tout le tour vous remplacez là aussi qu'il y a des trous par des blocs pour éviter que ça pose problème et en gros vous mettez du verre à la hauteur donc de votre tête tout partout et dans les coins au niveau des bûches Voilà ça donne quelque chose comme ça Ça fait un genre de damier Comme pour le voir Pas vraiment un damier mais ça fait des trous Et là une fois que vous avez fait euh, fait cela Vous allez tout simplement Bon déjà moi je vais éclairer l'inventaire pour que ce soit plus visible Vous allez vous écarter tout simplement euh, Vous allez faire quelques blocs 20, 30 blocs autour Et vous allez revenir Jusqu'à espérer avoir un mob qui spawn Alors là comme vous pouvez le voir il n'y a aucun mob qui a spawn Donc vous le refaites en survie C'est pas compliqué Vous sortez Si vous avez des elytras vous allez un peu loin Vous revenez En vrai il faut faire normalement juste 20, 25 blocs de longueur Mais voilà et au bout d'un moment vous allez avoir un pillager qui va spawn obligatoirement. Alors c'est pas obligé s'il est à euh, sa petite bagna derrière, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas trop grave, on s'en fiche un petit peu. J'ai l'impression qu'il va faire nuit. Est-ce qu'il fait nuit Je ne sais pas. Euh, mais une fois que vous les avez, euh, une fois que vous avez repéré là où ils ont spawn, vous cassez tous les verres sauf là où ils sont. Hein, regardez, on garde bien, faut pas les faire sortir. On garde bien les quatre blocs où ils sont, comme vous pouvez voir, ils sont coincés dans ces. Petit de blocs là, et après vous pouvez enlever par contre tout le verre tout autour. Voilà, tout ça on s'en fiche, euh, on l'enlève. Voilà, une fois que ceci est fait, vous allez devoir vous munir d'une petite carte. Euh donc, on va prendre une map, carte, une voilà, avec de préférence euh, votre euh, petit, euh, euh, comment on appelle ça, le petit curseur sur la map. Si vous savez pas comment faire, vous faites une map et après avoir fait une map, vous la combinez avec une boussole. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça vous donne votre carte avec votre petit curseur. Voilà, c'est pas mal. Et donc là, ce qui va être très important, c'est de bien repérer là où vous êtes, hein, dans le monde. Et il faut que votre perso regarde vers le haut du monde. S'il regarde pas vers le haut, c'est pas bon. Il faut qu'il regarde bien vers le haut, c'est important. Et une fois que vous aurez fait ça, alors là, j'ai vraiment pas eu de chance parce que souvent ce qui se passe, c'est quand vous regardez vers le haut, vos mobs sont vers là, on va dire. Moi, j'ai pas eu de chance, ils sont vraiment exportés sur la gauche. Alors, l'usine va être un peu décalée, ça va être un peu galère, mais ne vous en faites pas, c'est pas très grave. Donc voilà, là, en fait, c'est un petit peu particulier selon chaque personne. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez vous mener du vert, donc de classe. Alors, vous pouvez prendre en vrai, euh, des feuillages, mais je vous conseille quand même de prendre du vert, sait-on jamais? Euh, et maintenant, ce que vous allez faire, donc, comme une nouvelle fois, hein, c'est très important, faut que votre curseur regarde vers le haut, donc vers le nord. Vous allez casser les quatre blocs qui sont euh, ici. Voilà, comme je vous ai dit, vous cassez les quatre blocs à gauche, donc quand vous regardez vers le nord, pour que ce soit plus compréhensif en fait, euh, quand votre curseur pointe vers le haut, vous regardez euh, la diagonale de la droite, donc en bas à droite et euh, vous euh, cassez les quatre blocs qui sont à gauche ici avec ce duo et voilà ça donne ça bon, après vous pouvez kill enfin vous pouvez les tuer non pas un clear euh, tuer les mobs voilà pour que ce soit plus simple et en fait maintenant avec de la glace ce que vous allez faire c'est que vous allez faire un petit pattern très très important euh, qui est très important de reproduire c'est tout simplement de laisser le bloc comme vous pouvez le voir qui était ici et de venir mettre un bloc qui bloque ici, hein, qui bloque la, on va dire, pas, ça bloque pas le spawn, c'est ça qui est cool, mais ça bloque en fait la, la tête du, euh, du pillager. Et pourquoi on fait ça Alors je mets juste des blocs jusqu'en haut et je vais vous l'expliquer. Alors on fait ça parce que tout simplement les mobs ce qui va se passer c'est qu'ils vont spawn donc sur ces, ce petit bloc là, en fait ils vont spawn donc, tout simplement dans le petit coin là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il, comme il va voir le jeu qu'il a un bloc dans sa tête ici, euh, le, le, le piager va automatiquement se faire pop en fait sur les 4 blocs qui sont ici et il va tomber. Et donc c'est ce qu'on veut, comme ça on va pouvoir ici les gérer et ça c'est pas mal. Et ensuite, ce que je vous conseille, vous entourez tout ça de verre. Voilà, vous faites un petit euh, dôme de bloc tout autour de verre. Parfait, voilà, vous faites monter jusqu'en haut de la structure. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas eu de chance. Hein, c'est un peu aléatoire selon les, les outposts. Euh, mon... Euh, mon petit spawn des pillager était vraiment tout à gauche, donc comme vous pouvez le voir, mon usine va un peu être dépassée sur la gauche. Alors la plupart du temps, moi, quand j'ai fait les usines, ils étaient souvent vers là, donc je pouvais avoir la zone au milieu. Parfois, ils étaient là, mais je l'ai jamais eu là, donc comme quoi, comme on peut tester, comme ça, ça va marcher. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est comme je vous l'ai montré, de pond de la Stone Brick. Euh... Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre n'importe quel bloc, mais pour en fait simplement euh, mettre, on va dire une zone de, de, de sombre en fait à l'intérieur pour qu'il y ait plus de facilité au spawn de mobs. Voilà pour qu'il fasse nuit tout simplement. Et on va faire à nouveau tout le tour comme ceci. Je vous conseille même d'enlever ces barrières là parce que après on va mettre un petit peu des feuillages partout pour éviter que ça spawn. Surtout ne partez pas du principe que euh, aucun mob ne peut pas spawn sur le verre. C'est totalement faux. Je vais le montrer après. Euh... Mais Je finis juste de faire le contour, c'est parfait. Non, je crois que j'ai rien oublié. Parfait. Euh, en gros, il faut bien qu'il n'y ait pas de zone de spawn. Comme vous pouvez le voir, là je l'ai monté jusqu'au toit. Donc il ne peut pas y avoir de zone de spawn à l'intérieur du bloc. Sauf bien évidemment là où euh, on l'a prévu. Hein, évidemment. Comme vous pouvez le voir au-dessus, il n'y a aucun verre qui manque. Ça c'est cool. Donc voilà, parfait. Maintenant, comme je vous l'ai dit, euh, et comme je vous l'ai montré dans les matériaux, on va prendre des petites feuilles. N'importe quelle feuille, ça change absolument rien. Et on va tout simplement faire le sol tout autour. Pour ça, je vous conseille aussi d'enlever tout ce qui est barrière, dalle tout ça, vous l'oubliez. Tout ce que vous pensez que ça ne peut pas faire spawn, les mobs, vous oubliez, vous mettez des feuillages. Parce que, en gros, je vais vous l'expliquer. Sur Minecraft, ils ont fait des patchs. C'est-à-dire que normalement, maintenant, dans la logique, aucun mob ne peut spawn sur le vert, sur, sur tout ce qui est feuillage. Dalle en position basse et tout Mais il y a un petit truc Je sais pas si c'est considéré comme un bug Mais en gros tous les raids Donc quand vous allez lancer un raid et qu'il va y avoir des mobs qui vont spawn Le seul bloc Enfin il y en a deux mais le seul bloc qui contre la, le spawn des mobs quand il y a un raid C'est les feuillages Le vert ça marche pas hein. Vous pouvez mettre du vert, une plateforme de verre et lancer un raid Les mobs vont spawn sur le vert Donc voilà faire attention Mais euh, les seuls trucs qui empêchent justement le spawn C'est les feuillages et on va dire, même si c'est pas très logique, un petit peu les, les scaffolding les, les échafaudages, mais en fait les, les échafaudages ont un, une particularité très spéciale qui est que... Euh en gros, ils ne prennent pas en compte le bloc. En fait, le bloc c'est comme un bloc invisible. C'est juste le bloc du bas qui tient l'échafaudage qui est considéré comme un spawn. Donc c'est très particulier. Donc, voilà, une fois après avoir mis, comme je vous l'ai montré, hein, euh, des feuillages partout. Vous allez évidemment en mettre sur le toit aussi. Il faut pas oublier des zones de spawn. Hein. Si vous en oubliez, euh, il se peut que votre raid se fasse ici et ça va tout casser. Donc là, il faut être vraiment très minutieux et mettre des blocs de feuilles vraiment vraiment partout. Sachez que la structure elle n'a aucune importance. Vous pouvez même la casser si vous vous dites ouah la structure elle me gêne, j'ai pas envie, euh, j'aurais juste à avoir l'usine dans un bloc vous pouvez casser toute la structure il n'y a aucun problème elle n'est pas considérée euh, enfin elle n'est pas importante dans l'usine hein. nous ce qui est important c'était juste de check là où les mobs pouvaient spawn et on la check une fois que c'est fait plus aucun pillager ne peut spawn tout autour s'il y a mais vous avez des pillagers qui spawn autour c'est soit que vous avez foiré votre raid et qui s'est lancé en bas ou soit que vous avez eu beaucoup de chance et qu'il y a des gens de il y a des pillagers qu'on spawn à côté enfin voilà mais ça ne viendra absolument pas de, de, la, de la tour de pillager parce que les pillagers ne peuvent spawn que là où on la check voilà alors j'ai fait tout ça, vous pouvez le faire partout, vous pouvez le faire même en bas, un peu tout autour, mais après ça sert plus trop à grand chose vu qu'on va être très très haut. Euh, maintenant on va s'occuper donc, comme je l'ai dit, du petit système redstone euh, qui est juste ici. Alors je vais juste par contre euh, cut tous les étages pour qu'on puisse mieux voir ce qu'on va faire. Voilà parfait, alors comme je l'ai dit, pas de chance, <laughs> moi euh, le cas il est ici, donc c'est pas trop grave. Euh, mais alors on va commencer donc le petit système, on va partir du principe tout simplement qu'il faut que ce soit un joueur qui tue les villageois, donc enfin les pillagers qui vont spawn ici. Sachant que les pillagers qui spawn avec une bannière c'est une chance sur deux je crois qu'il y en ait qui spawn, je sais pas vraiment la probabilité. Euh, une fois que vous avez tué par un joueur, un pillager qui a une bannière... Vous allez avoir donc l'effet bas domaine qui vous permet justement de lancer un raid. Et pour avoir cet effet par un joueur, parce que si vous le faites kill juste dans la lave, c'est pas vous qui allez avoir l'effet, donc ça ne va pas marcher. On va utiliser le principe de faire bouger un trident quand il est sur le sol. Parce que regardez, quand on lance un trident euh, sur le sol ici, et qu'on peut le faire bouger en fait avec des pistons, et en fait quand il va bouger, il va se déplacer, donc il va mettre un tic de dégâts à un mob. Et ce qui est pété aussi, c'est que quand il est sur le sol il ne prendra jamais de, euh, si on peut appeler ça, du, enfin des dégâts en fait, il ne perdra jamais de durabilité, c'est ça qui est pété, en fait il perd des durabilités que quand vous le lancez, là il vient de perdre une durabilité parce que je viens de le lancer, mais même s'il bouge sur le sol en faisant des dégâts aux mobs, il ne perdra pas de durabilité, donc ça c'est vraiment pas mal, en plus si vous le voulez vous pouvez mettre un bête d'enchant sur votre trident que vous allez mettre comme ça, ça va tuer plus rapidement les mobs, mais vous allez voir après comment on va faire, donc maintenant vous pouvez faire une cage qui descend de la longueur que vous voulez, donc, on va pas la faire trop trop descendre, on va la faire descendre jusque là alors là si vous le voulez vous pouvez mettre des minecart hopper juste en dessous un petit système de minecart hopper pour récupérer les loot de ces mobs là comme ça ça vous fait des, lo des loot en plus moi je vais pas le faire parce qu'on n'est pas non plus trop radin on va pas aller chercher loot jusqu'au maximum mais vous pouvez le faire si vous le voulez et donc maintenant on va faire le petit système qui va nous demander quatre euh, pistons alors surtout pas collant ça va pas changer grand chose je pense mais euh, prenez pas des pistons collants euh, il va nous falloir après soit des distributeurs soit des euh, dropper, donc vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de prendre des dropper parce que c'est le truc qui coûte le moins cher, alors que les distributeurs, il vous faut un arc à chaque fois. Et enfin, il vous faut quatre observeurs, voilà. Et le système est fait. Et en fait, c'est un système très très facile. On va mettre un, un piston dans chaque coin. Alors là, c'est pour ça que ça va être un peu galère. C'est que, pour venir mettre les pistons, on va juste faire un petit encadré tout autour de Stone Brick. Voilà. On met tous les pistons dans les coins en bas à droite, comme vous pouvez le voir parfaitement comme ça. Ensuite, dans tous les coins, vous allez mettre des droppers dans tous les coins. Voilà. En vrai, vous pouvez mettre des notes blocs, vous pouvez mettre des. Euh... Enfin, si vous mettez des notes blocs, il ne faut pas laisser le bloc au-dessus, sinon ça ne marchera pas. Il faudrait mettre, on pourrait même mettre des lumières, des lampes de redstone, ça marcherait aussi. Mais mettez des droppers, c'est ce qui ne coûte pas cher. Hein. Ça coûte juste de la cobble et de la redstone. C'est pas très très cher. Et ensuite, vous mettez juste. Euh, observeur qui pointe la tête vers lui et là vous allez mettre un bloc dur c'est très important il faut surtout pas mettre du vert ni des feuillages ni euh, des trucs qui ne font pas passer de la redstone sinon ça ne fonctionnera pas et donc vous allez faire ça à nouveau tout autour comme ceci regardez hop là et en fait pour les gens qui veulent un petit peu plus savoir je vais vous expliquer à quoi ça sert en gros vous venez de créer une boucle euh, on va finir juste par fermer tout ça, comme ça, voilà. Et en fait, quand vous allez lancer un... Euh, je vais sortir, si je ne vais pas réussir à vous l'expliquer. Quand vous allez lancer la machine, donc quand vous allez activer, par exemple, ce dropper, il va, pour le jeu, se lancer. Donc, le euh, observer qui est ici va détecter que lui, il a bougé son état. Donc, il va mettre euh, une impulsion dans ce bloc-là qui va faire bouger le piston, qui va le rétracter à nouveau, qui va, euh, au même moment, activer ce dropper qui va, donc, le détecter, etc. Ça fait une boucle à l'infini. Et si on prend un levier vous montrer facilement on va prendre le levier alors dans un premier temps il faut initialiser la machine c'est à dire que si je fais ça vous allez voir qu'ils vont bouger un petit peu et puis il va rien se passer regardez voilà il se passe plus rien ça va faire un tour complet et là si je le désactive vous allez voir que ça va continuer en boucle regardez ça fait des boucles alors, je sais plus dans quel sens comme ça et ça fait ça à l'infini donc c'est exactement ce qu'on veut euh, comme ça on va pouvoir mettre notre trident regardez si je la laisse activer que j'arrive à rentrer dans le système euh, merci j'arrive à rentrer dans le système euh, je me fais pousser euh, est ce que je vais réussir à mettre un bloc juste là et que maintenant je lance un trident. Regardez, je lance le trident. Le trident, on le voit pas trop bouger, ou même au bout d'un moment, vous allez voir qu'il bougera quasiment plus. Il va être au centre. Mais là, s'il y a un mob qui spawn à cet endroit-là, il va prendre les dégâts du trident. Et en fait, il va être considéré comme tué par un joueur, vu que c'est vous qui venez de lancer le trident. Et c'est exactement ce qu'on veut, parce que le pillageur qui va tomber ici va mourir par un joueur, logiquement, parce que c'est votre trident et c'est vous qui l'avez lancé. Donc vous allez recevoir l'effet de bad omen. Voilà, on va désactiver cette machine. On reviendra après juste dessus. Maintenant, on va s'occuper de faire la petite tour. C'est pas compliqué, vous vous allez vous mettre au centre de préférence euh, si même vous voulez être vraiment vraiment précis vous, vous mettez entre guillemets au centre parce qu'il n'y a pas de centre de ces quatre blocs là et euh, vous montez après et là je vais vous dire de combien il faut monter c'est très important de monter d'un certain nombre de blocs voilà c'est très important de monter de 44 blocs euh, sur la structure en bois comme vous pouvez voir il y a la structure en bois qui est juste ici se remettre au centre parfait et là, vous allez monter donc de 44 blocs donc 1 2 3 4 5 6 7 41 42 43 et 44 parfait donc là vous avez votre 44e bloc vous allez pouvoir faire une petite plateforme alors au passage à partir de maintenant on va faire que des trucs avec des feuillages pour éviter justement d'avoir des problèmes de spawn vous pouvez évidemment ici faire un, une tour avec euh, des euh, des comment s'appelle des scaffoldings, des échafaudages en français, donc je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez évidemment, comme je vous ai dit, faire une tour. Euh ah, ça c'est pas bon du tout parfait euh, de euh, scaffolding pour monter jusqu'à la hauteur sachez que euh, en fait c'est très particulier ce bloc euh, les mobs ne peuvent logiquement pas spawn sur le scaffolding parce que c'est considéré comme un bloc invisible par contre ils peuvent spawn et c'est là que c'est très particulier euh, sur le bloc qui est... Est il peut y avoir un mob qui spawn ici là c'est possible parce qu'il y a un bloc de bois en dessous donc voilà et vous ne pouvez pas poser des scaffolding sur des euh, sur du, euh, du euh, qu'on appelle ça des feuillages donc malheureusement c'est compliqué mais c'est logiquement un problème mais faites gaffe quand même et vous pouvez en fait pas possible c'est pas en fait possible de mettre un scaffolding sur quelque chose où c'est qu'un raid ne peut pas se lancer parce que les seuls blocs comme je vous ai dit qui empêchent le raid c'est les feuillages et le verre eux ne l'empêche pas donc vous n'allez pas pouvoir vraiment euh, patcher ça mais euh, je vous conseille en fait de juste utiliser un petit bête mur tout simplement avec des, euh, des échelles dessus et tout en haut vous mettez euh, juste euh, un feuillage, ou alors vous faites monter par exemple les, les, les échelles jusque là et vous mettez un feuillage ici, comme ça ils pourront monter là, etc. Mais voilà, je vous quand même, je vous quand même des conseils d'utiliser les scaffolding parce qu'il peut y avoir certains pro problèmes de spawn surtout en bas. Voilà. Et maintenant on va s'occuper de faire la petite machine. Alors. Il n'y a pas vraiment d'endroit où c'est que vous pouvez la faire, vous la faites n'importe où. Vous allez faire donc dans un premier temps quatre blocs au dessus. Donc comme vous pouvez le voir, là on était à la couche 44, là c'est la couche 45. Et là vous allez faire un petit, une petite structure de 4 par 4 et très très important. Vous la faites en feuillage. Je l'ai fait en stone brick mais vous la faites en feuillage. C'est extrêmement important. Tant qu'on y est comme ça, ça va être feuillé dès maintenant et ça va être facile. On va faire le petit système pour récupérer tous les loots. Donc vous allez prendre des hoppers. Hein, je vous montre mon système. Après vous pouvez évidemment le faire comme vous voulez. Mais n'oubliez surtout pas de... Euh, de ne surtout pas oublier de mettre des, euh, des feuillages au dessus ou euh, je vais vous montrer comment faire mais je vais juste set up le truc je vais juste faire un bête euh, système de minecart avec des hoppers voilà en gros ici il va y avoir un minecart qui va tourner hopper euh, qui va amener tous les loups dans ce hopper là qui va lui faire bouger tous les loots vers là et ça va automatiquement mettre tout dans le coffre et pour ce qui est des rails c'est pas compliqué voilà on met des petits rails boosters ici, des petits euh, rails qui tournent dans les coins. Et on va mettre des petits leviers. Ah bah j'en ai déjà sur moi parfait. Alors les leviers on peut pas les mettre sur les feuillages comme on peut le voir donc c'est problématique. Ce que je vous conseille de faire c'est de prendre donc de la Stone Brick par exemple. Euh, où c'est qui est ma Stone Brick Bon on va faire genre que c'est de la Stone Brick. Euh, vous la mettez par exemple ici. Et là c'est un peu problématique pour la mettre là. Donc euh, vous la mettez genre là bon au pire ce qu'on peut faire ça patch le truc vous mettez rien du tout ici et le hopper va automatiquement choper la vitesse ici parfait et donc là euh, marque carte hopper évidemment on va prendre juste un main carte hopper on va le lancer euh, comme ceci voilà, il va tourner à l'infini. N'oubliez surtout pas ici de venir mettre des feuillages. Sinon, <laughs> ça spawn. Donc voilà, n'oubliez surtout pas. À nouveau sur le bloc ici, mettre des feuillages. Sur les hoppers, mettre des feuillages. Sur les coffres, mettre des feuillages. Il faut mettre des feuillages partout. Si vous ne spawn-proofez pas la zone, si on peut dire, euh, vous allez avoir des gros problèmes. Donc faites vraiment, vraiment attention. Voilà, j'ai refait un petit peu l'entouré pour que vous compreniez. Où on en est. Hop là, on va mettre des feuilles ici pour que ce soit plus compréhensible. Là, on va avoir donc notre zone, c'est que les mobs vont arriver et vont mourir. On va refaire exactement le même système qu'en bas, qui est euh, les petits pistons, euh, les observers et les distributeurs, enfin les droppers, donc observer, parfait. Hop là, je récupère ça, parfait. On va mettre, comme je vous l'ai dit, dans chaque coin en bas à droite. Ah oui, alors ça c'est problématique parce qu'on a le petit truc ici. Alors pour patcher ça, regardez. Si elle me voulait patcher ça, vous mettez de la glace et la glace empêche. En fait, ça ne fait pas passer le courant à travers la glace, mais comme vous allez voir ce que je fais, là, en fait, le courant ne passe pas pour lui, donc il se passe absolument rien. Mais ici, ça alimente parce que c'est sur le même bloc, donc voilà, c'est un petit trick and trick. Un Comment dire en anglais? Trips, oh, je sais plus, <laughs> pas trop grave, et donc on va faire exactement le même système qu'en bas, euh, tous les pistons en bas à droite, enfin vous pouvez inverser le système et le faire en bas à gauche, mais bon on va pas se prendre la tête, euh, des petits droppers dans chaque coin comme on l'a vu tout à l'heure, des observeurs que je n'ai plus, <laughs> très bien j'ai mis de la... La code de l'obsidienne à la place. Voilà, des observeurs qui pointent tous vers le dropper Et là, à nouveau un bloc dur, c'est très très important. Alors moi je mets la stone brick, je vous conseille aussi de faire ça. Et une fois que ceci est fait, à nouveau on peut tester. Ça active une première fois normalement tous les pistons. Voilà. Et là si on le désactive, ça fait tourner la machine. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Alors maintenant on va, euh, avant de faire tout le système redstone pour tout calculer et tout, et etc. On va juste finir de faire la petite tour qui va faire accueillir tous les petits... Euh, Raid et vous allez voir c'est très très facile à faire Et donc là vous allez compter 16 blocs de hauteur Pour faire ça c'est très simple vous allez partir donc de ce bloc là Vous allez compter 16 donc 1, 2 euh, On va compter jusqu'en haut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 parfait Et vous allez faire donc tout autour une tour de 16 par 16 Alors moi je vous l'ai montré tout à l'heure je l'avais fait en vert Je vous déconseille de le faire Parce que sait-on jamais il peut y avoir un problème Alors les ravageurs ne peuvent pas casser le Le vert mais... Je vous déconseille d'utiliser du verre, c'est ton jamais. Voilà, j'ai fini. Alors tant qu'on y est, on va pouvoir mettre les petits partillons. C'est très très facile. Voilà, vous mettez comme je vous ai montré 4 blocs juste en dessous par rapport au dernier bloc. Vous faites ça, vous le refaites une nouvelle fois au-dessus comme ça ça double patch le truc, c'est à dire que les mobs vont voir qu'ici il y a un bloc et ici il y a un bloc donc ils vont dire bah il y a des blocs je peux y aller et bam, ils vont tomber et on va les avoir et tout dans le petit piège c'est parfait, euh, au passage faut pas oublier d'enlever le bloc sinon ils vont rester bloqués en haut et là une fois que vous êtes arrivé en haut vous allez faire donc du 6 par 6 donc vous avez déjà un bloc, 2, 3, 4, 5, 6 vous allez faire ça donc de chaque côté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc et vous allez faire un carré tout autour, voilà j'ai fini parfait donc on a bien euh, si je compte, je crois que ça fait 6, 12, 13, 14, ça fait du 14 par 14. Et maintenant, vous allez simplement dans chaque coin rajouter 2, enfin dans chaque extrémité, vous allez faire tout autour 2 en plus avec des feuillages, c'est très très important. Une fois que vous avez fait le tour, ça donne ceci. Vous allez maintenant casser juste les, les petits angles. Et en gros, vous allez casser, alors je le remets pour que vous compreniez, vous allez casser 3, donc 1, 2, 3. Et là, vous allez casser les 3, donc vous en cassez 6 au total. Et vous rajoutez des feuillages comme ceci, donc je vous le montre une nouvelle fois. On casse le coin complètement, puis on recasse 3. Voilà, donc on en a les 6 Et on fait ça dans chaque coin. Et juste avant de finir, et après on mettra l'eau et on aura fini, en fait, clairement l'usine, il ne manquera plus qu'à faire la petite redstone pour activer. Et le plus chiant, ça va être d'amener le villageois, mais vous allez voir, ça va être facile. Euh, enfin, ça va être facile, ça va être quand même un peu chiant si vous êtes en survie. On va juste tout autour faire un petit entouré pour bloquer les mobs. Je vous conseille de mettre une petite hauteur de 4, voire de 5. Donc là j'ai 2, 3, 4, 5. Et au-dessus, il faudra mettre des feuillages pour pas que ça spawn. Et on fait ça tout autour, évidemment. Voilà, j'ai fini de me faire un petit entouré, maintenant on va finir de faire cette petite plateforme en mettant l'eau, c'est pas compliqué. Dans chaque coin vous allez mettre euh, trois blocs, on enlèvera juste après, mais c'est pour l'appui tout simplement. Et là c'est pas compliqué, vous allez mettre simplement de l'eau dans chaque coin. Comme ceci, voilà. Et ensuite, c'est très important, vous le mettez juste ici, comme ça, tout autour. Ne le mettez surtout pas là, sinon ça va créer des sources d'eau partout. Voilà, vous cliquez sur le coin. Alors, je vous conseille pas de cliquer là, parce si on allait mettre de l'eau dans le, dans les feuillages, ça va tomber jusqu'en bas. Donc, faites pas ça surtout. Et voilà, une fois que c'est fait, alors là, il manque ce petit coin. C'est assez rapide. Hop là, on, on le fait. Euh, voilà, une fois que c'est fait, vous enlevez juste les petits coins qui sont. Ici, partout, voilà, dans chaque coin, voilà, c'est fait. Et en fait, normalement, tous les mobs vont tomber ici, c'est parfait. Et là, vous avez fini la plateforme, elle est très très rapide à faire, il n'y a rien de plus. Euh, maintenant, on va finir tout simplement avec le villageois. Ah oui, il fallait pas utiliser ça, sinon ça lance la boucle. Euh, on va finir avec le villageois, son emplacement, et la redstone qui active la machine. Et les gars, ça sera fini, vous allez voir que c'est très très facile. Et donc là, vous allez vous mettre au niveau de la tour d'en haut, vous allez compter donc 3 blocs, 1, 2, 3, et là, vous allez créer une plateforme après 3 blocs. Comme ceci en fait une grande plateforme de préférence. Je vous conseille donc d'amener soit les villageois avec des minecarts. soit en mettant directement un, 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 ça un petit portail du Nether, ou tout simplement avec une petite... Euh Petit con, appelle ça ascenseur à eau avec de la scène ça fait monter plus rapidement, voilà. Et là vous allez tout simplement faire venir en survie un villageois avec un lit, c'est aussi extrêmement important. Et aussi, il ne faut pas que vous ayez une, ne serait-ce qu'un seul lit. Euh, on va dire, euh, genre si là j'avais fait l'usine ici, il faut pas que j'ai de lit, on va dire, jusqu'à peu près là-bas pour vous donner un ordre d'idée, ce qui est à peu près genre je dirais 100 blocs de longueur si on est à peu près euh, pour être bien, genre tout autour un petit rond de 100 blocs. Et euh, comme ça vous aurez aucun problème. Donc vous mettez votre lit là, euh, vous attendez euh, qu'il fasse nuit surtout, sinon ça va être la merde. Et vous mettez avec votre villageois juste ici. Et comme je l'ai dit, vous attendez qu'il fasse nuit. Bon nous comme on est en créatif, ça va pas être compliqué, on va faire un time set. Uh, night, voilà. Uh, oh, il s'est mis directement... à j'ai du uh, Night Vision hein, pour les gens qui demandent. Mais uh, il s'est directement mis dans son lit. Quand il est dans son lit, vous allez pouvoir récupérer des feuillages et l'entourer de feuillages comme ceci. Voilà, faut pas en oublier. Surtout si vous en oubliez, les, les pillagers vont spawn Alors est-ce que je fais que deux Non, on va faire trois pour être sûr. Comme ça, il y a aucun problème. Et là, si je remets le jour... Uh, voilà. Alors nous, on le voit pas parce que j'ai du night vision. Mais, le villageois, il s'est levé. Alors, on le voit quasiment presque pas. Voilà. Là, on le voit mieux. Le villageois, il s'est levé. Il est plus dans le lit. Donc, c'est parfait. Il a pas glitch. C'est parfait. Il y a aucun problème. Et donc, là. Donc, c'était le, vraiment le truc le plus compliqué à faire, les gars. À mener le villageois. Et après, c'est vraiment fini, en fait. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est pas compliqué. C'est faire un petit système qui active et désactive la machine d'en haut et d'en bas. Enfin, que d'en haut, simplement. pour être plus facile. Et c'est pas compliqué. On va juste faire un chemin en redstone. Et en euh, avec une petite boucle Et eh oui aussi il manque un truc que je vais vous expliquer C'est très important sur toute cette petite détail Et on va même le faire maintenant parce que sinon c'est le problème C'est que les ravageurs ils ont un petit peu été patchés Donc c'est les gros mobs là on dirait des, des, des énormes On dirait des buffles si on peut dire, et pour patcher ces mobs pour les tuer facilement, c'est pas compliqué. Vous allez prendre donc des panneaux, alors signe en anglais, voilà, de la lave et un distributeur. Là, c'est très important que ce soit un distributeur, il faut pas que ce soit un dropper. Euh, voilà, on va rentrer dans notre petite machine qui est ici, hop là, parfait. Là, vous avez vos petits blocs où les mobs vont mourir, vous allez compter 3, donc 1, 2, 3. Sur le troisième bloc, vous allez mettre des euh, panneaux, voilà, vous en mettez 4, parfait, la lave ne pourra pas couler jusque là. Là, vous allez mettre dans n'importe quel endroit un distributeur, enfin un dispenser en anglais si vous préférez c'est très important voilà ensuite vous pouvez mettre la lave dedans donc on va attendre un petit peu vous allez faire seulement une petite machine très facile alors je vais la faire vers la gauche vu qu'on va alimenter ici une petite machine qui est une petite cloque enfin une petite euh, comment on pourrait appeler ça une petite euh, boucle si on peut dire c'est très facile enfin une boucle une cloque tout simplement et c'est très facile à faire je vais vous montrer et donc pour ça il vous faudra euh, deux hopper deux pistons collants. Là c'est très important que ce soit des pistons collants. Euh, deux comparateurs et euh, de la redstone et un bloc de redstone aussi. Voilà, alors, comment on va faire C'est très simple. Vous allez tout simplement dans un premier temps venir mettre vos hoppers qui se mettent face à face. Donc voilà, on en cale un, on en recalant. Regardez, ils se regardent bien, c'est parfait. Ensuite, vous allez mettre derrière ces petits trucs des comparateurs. Voilà, comme ça. Euh voilà, on va agrandir un petit peu la zone. Et vous allez les faire pointer vers un bloc. Derrière ce bloc, vous allez mettre de la redstone comme ceci. Suivi de deux pistons collants. C'est très important qu'ils soient collants. Et un bloc de redstone. Là, euh, vous avez fini la machine. Alors, on va un petit peu setup là pour que ce soit plus classe. Alors j'aurais dû peut-être la mettre comme ça. Je vais le bouger les gars. Voilà, j'ai bougé la petite machine. Euh, pour que ce soit plus facile, bon c'est pas. C'est pas très très grave. Euh, donc. Oh. On va plutôt faire sur ce bloc pour que ce soit plus facile. Euh, là, vous allez simplement juste faire venir le fil euh, de redstone contre le petit distributeur et dans les hoppers, vous allez mettre 14 blocs. Alors vous pouvez en mettre 15, je crois que 15 ça passe aussi. Euh, moi j'en ai mis 14 sur euh, sur la survie quand je l'ai fait sur mon serveur. Donc on va en mettre 14. Et en fait, quand vous allez l'activer, vous allez voir que ça va faire une boucle qui va à chaque fois faire clic 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 etc. Quand tous les items vont passer. Il faut attendre que tous les items passent. Voilà, hop, ça s'active, ça se désactive, etc. Là, on mettra la lave à la fin parce que sinon on va avoir des petits problèmes. Euh, ensuite, vous allez faire un petit chemin qui va permettre de la désactiver ou de l'activer. Alors, ça ne va pas désactiver la cloque, elle va continuer à tourner. Alors, si vous voulez vraiment la désactiver, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire un système qui vient bloquer les deux hoppeurs. Euh, voilà, ils sont bloqués. Vous mettez des pistons qui viennent les bloquer, etc. Vous faites comme vous voulez. Mais nous, on va pas désactiver parce qu'on s'en fiche. On va juste la désactiver euh, manuellement. Euh, ça fait, euh, c'est plus facile à faire. C'est tout simplement venir faire venir euh, pour les gens qui se demandent euh, ici ça sera je vais y arriver <laughs> ici ça sera l'endroit euh, où euh, notre machine on va la désactiver ou activer donc on va faire venir derrière de la redstone jusqu'à notre petite cloque qui est ici voilà Alors, je sais pas si on a une assez grande euh, si c'est bonne longueur ou pas regardez attendez eh, oui c'est bon et en fait ce qui se passe c'est que ça soit ça laisse activer le truc soit ça le laisse désactiver Enfin, quand sera désactivé, ça le laissera désactiver, etc. Euh, même, je crois, laissez-moi réfléchir. Ouais, non, c'est pas grave. Et surtout ici, c'est un petit truc qu'il faut pas oublier de faire. C'est faire venir un petit comparateur ou juste un fil de redstone, ça passe aussi dans le petit distributeur. J'ai tout cassé dans le petit distributeur. Et en fait, ça va désactiver la machine. Regardez, si je mets, on va mettre de la lave, vous allez voir, même ça va être plus facile. Là, on a désactivé notre machine. Je l'active. Alors, je crois que la lave elle va tomber. On va plutôt. Casser ici, euh, ça va de temps en temps activer la lave, la désactiver, activer la lave, la désactiver. Pourquoi ça a arrêté le système Pourquoi tu as arrêté le système Ah oui, je, je sais pourquoi ça a arrêté le système, les gars. C'est parce que j'ai cassé ce bloc. Alors, si je le remets, évidemment, euh, évidemment il faut update la redstone. Bon, on imagine <laughs> que, le, que ça tourne en dessous. Vous pouvez me croire que ça doit tourner normalement. Hein, je vais même. Là être sûr avec vous, on va désactiver, et réactiver pour être sûr, regardez. Et là c'est là où c'est le gros bordel parce que je fais tout casser, il y a de la lave partout, c'est le bordel. Bon, voilà, on l'entend bien, il y a les pistons qui tournent. Euh, on a la système ici qui de temps en temps active la lave, de temps en temps la désactive, donc ça c'est cool, c'est parfait. Et voilà, et maintenant, pour que ça soit vraiment fini euh, le système, il va falloir, et là c'est vrai que ça va être un peu chiant. Alors, soit vous êtes riche et vous avez des slime blocks, donc ça va être plutôt facile, soit euh, ça va être chiant et euh, va falloir tout simplement venir faire exactement comme on a fait en haut, euh, désactiver la machine avec euh, un petit. Euh, un petit système en redstone qui arrive de, de cette hauteur jusqu'en haut. Alors vous pouvez même le faire à l'ancienne si jamais comme je suis en train de le faire. Vous faites juste un chemin en redstone comme vous allez pouvoir le voir. Qui monte tout simplement. Alors il faut faire gaffe parce que la redstone elle a euh, 15 de longueur donc faire gaffe. Bon voilà, j'ai réussi à tout euh, faire venir. Comme vous pouvez voir, euh, tout est relié. C'est pas compliqué, hein. c'est vraiment juste un circuit reston, les gars, euh, qui vient d'en haut et qui désactive à chaque fois. Il y a des répéteurs pour revenir à minuit, pour revenir remettre le système à max. Et en gros, ici, quand je vais désactiver ça, ça va lancer le système. On l'entend les pistons qui tournent. La euh, petite lave va tourner et en bas, ça tourne aussi. On peut l'entendre écoutez on l'entend bien voilà parfait et là maintenant il faut faire un dernier truc c'est très important et je crois qu'après on aura fini je vais quand même aller check mais euh, on aura fini il faudra juste très important mettre des feuillages partout sur notre système où on a fait la redstone parce que la redstone euh, crée des spawns donc, c'est très important de mettre des feuillages partout. Voilà, alors je vais désactiver la machine, elle fait du bruit pour rien. Euh, hop là, j'ai mis des feuillages partout, comme vous pouvez le voir sur tout le système redstone. Ici, euh, là, 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 partout, hein, même sur là où c'est qu'il y avait les coffres, c'est très très important. Vous pouvez même faire une autre plateforme ici pour aller simplement récupérer les coffres, mais à nouveau, plateforme en euh, feuillage, c'est extrêmement important. Et là, en fait, les gars, ce qui va être maintenant final, en fait, c'est ce que vous allez devoir faire à chaque fois que vous pourrez initialiser la petite machine. Et c'est très important si jamais vous êtes sur serveur ou quoi que ce soit, que la personne qui veut faire fonctionner l'usine fasse ce que je vais vous montrer de faire. On va peut-être un petit feuillage pour qu'on monte, ça sera plus facile. Même vous savez quoi, on va même augmenter la la hauteur de notre plateforme parce que sinon c'est que la galère. En gros, pour à chaque fois initialiser la machine, les gars, ce qui est très important, c'est déjà de vous menir minimum de deux tridents. Vous pouvez en avoir plus, c'est toujours préférable d'en avoir plus. Mais à chaque fois pour initialiser la machine, donc déjà vous la désactivez, il faut pas qu'il y ait de raid en cours, sinon c'est la merde. Vous cassez ces deux blocs là qu'il y avait ici. Euh vous allez lancer un trident dans, dans l'endroit où vous pouvez en lancer plein, ça accélère la chose, c'est pas mal. Euh, ensuite, vous fermez, très important avec des blocs durs à nouveau. Vous allez faire exactement pareil en bas, bon je vous conseille de le faire dans l'autre ordre, hein, en bas puis en haut, c'est plus facile. Euh, ici, alors c'est pour ça que c'est un peu plus galère ici, il faut faire un petit endroit, genre une petite plateforme. Je vous conseille même ici de mettre des feuillages pour éviter d'avoir des spawns. Voilà, alors là on entend qu'il y a des mobs, c'est pour ça que moi ce que je faisais, c'est que je prenais des petites slabs, des petites dalles. Et je les mettais genre là et là on faisait un petit effet un peu plus bas comme ceci. Comme ça, les joueurs ils arrivent ici, ils tuent les mobs qu'il y a là. Voilà, ils arrivent, ils tuent les mobs qu'il y a ici comme ça, avant de rentrer dans le système parce qu'ils font très mal les pillagers. Voilà, on les tue. Bon malheureusement on a de l'effet bas domaine. Alors pour éviter de casser la chose, on va juste se l'enlever. Alors si vous êtes en, 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 en survie, évidemment vous ne pourrez pas vous l'enlever. Mais c'est pas trop grave. Ça va pas lancer le raid de, de cette hauteur. Ne vous en faites pas. On finit de tuer tous les villages. Les petits tous les pillagers. Il en reste un je crois. Attendez s'il yes, en reste un une fois que vous êtes là euh, alors là il est vraiment mal placé l'usine mais euh, vous allez casser tout simplement ces deux blocs vous allez faire comme en haut lancer des tridents alors je vous conseille d'en le faire dans cet ordre d'abord le faire en bas puis après le faire en haut vous lancez un trident minimum et après vous pouvez en lancer plein ne vous en faites pas ils vont jamais casser euh, ils vont aussi normalement jamais dispo, de hein. ça devrait normalement jamais arriver. Une fois que ceci est fait, vous pouvez monter euh, soit avec votre petit système d'eau, soit avec vos scaffolding, soit avec votre échelle ou comme vous le voulez. Euh, vous allez monter tout simplement en haut, parfait. Là, je vous conseille de faire un petit abri. Euh, à nouveau euh, vous pouvez le faire en bloc dur pour être sûr que ça ne casse jamais mais n'oubliez surtout pas de mettre des petits feuillages dedans voilà vous faites votre petit abri comme ça voilà vous pouvez pas mettre de porte malheureusement parce que les portes ne se mettent pas sur les feuillages voilà vous restez AFK mais avant de rester AFK il faut bien évidemment activer la machine en fait vous allez voir que dès que je reste AFK là il y a des mobs en bas qui vont spawn alors on va casser un peu pour qu'on le voie mieux. Il y a des mobs en bas qui vont spawn. c'est un peu long. Des fois ça peut prendre genre 10 secondes comme des fois ça peut prendre 10 minutes. Ça m'est déjà arrivé hein, d'attendre 10 minutes sans qu'on ait à nouveau l'effet. Mais voilà, vous attendez ici que en bas ça tue un pillager avec une bannière. C'est un peu aléatoire que ça spawn. Et dès que vous allez dès qu'en bas vous allez réussir à tuer un villageois avec une bannière, ça va vous donner l'effet de euh, Bad Omen. Ça va lancer le raid parce qu'il y a un petit villageois qui est juste ici. Donc le raid va se lancer au-dessus. Si vous avez tout bien fait qu'il n'y a pas de zone de spawn. Les mobs vont tomber ici. Ça va récupérer les loots. Et ça va refaire ça à l'infini. Bon là, évidemment, vu qu'on est en vidéo, l'effet de Bad Omen prend 8 heures à arriver. Hein. J'espère qu'il va arriver de ce pas. S'il te plaît. Alors, ne faites pas la même erreur que j'ai faite. En gros, tout à l'heure, pour vous montrer comment mettre le trident, j'ai cassé ces blocs-là. Et j'ai cassé au passage l'endroit c'est qu'il allait avoir le spawn des mobs. Donc ne faites surtout pas la même erreur que j'ai fait. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça spawnait pas, je suis resté AFK FK un peu en rouge, je suis en mais pourquoi ça spawn pas Qu'est-ce qui se passe Bah et logique, j'ai cassé l'endroit où c'est que les mobs pouvaient spawn. Donc faites attention, hein. ne faites pas la même erreur que moi, je vais quand même vérifier, voir si j'ai bien fait la chose. Mais je crois qu'on est bon. Non, voilà, là on a le bloc parfait. Hein <laughs> ne faites pas la même erreur que moi, évidemment. Euh, mais voilà, là normalement, si je me trompe pas, on va remonter en haut. Oh, tout est bon, voilà. La machine elle devrait se relancer. Sauf qu'elle ne se relance pas. Ce qui est évident. Parce qu'il faut l'initialiser. Parfait, voilà. Euh, donc, euh, on va remonter en haut. Euh, parce que, <laughs> évidemment, j'ai fait n'importe quoi en cassant pour vous montrer tout à l'heure comment mettre le trident en bas. Je remonte ici. On active, on désactive la machine pour faire genre voilà, on l'active, on la désactive, on attend quelques secondes, on va juste... Eh ben voilà, j'ai même pas eu le temps et ça a déjà fait l'effet. Je voulais faire un slash clear, mais c'est pas grave. On a déjà eu l'effet de raid, normalement tout se passe bien, le raid arrive en haut, il tombe ici, on va peut-être l'entendre, je vais peut-être même pouvoir vous le montrer. Et je vous conseille aussi de prendre une petite slab, on une petite dalle, et vous la mettez genre juste ici. Pourquoi Parce que l'XP va passer là, vous allez la voir, normalement l'XP devrait passer ici, voilà, on voit l'XP qui arrive et elle vous arrive dessus. Et ça c'est pété. Bon des fois elle arrive à traverser les blocs donc voilà. Mais je vous conseille quand même de mettre la dalle, c'est ton jamais. Et là ça va lancer le raid. Donc je vais faire un petit accéléré pour vous montrer après la fin du raid. Voilà normalement on arrive sur la dernière vague si je me trompe pas, alors un raid dure environ deux minutes, ça dépend de combien de temps dure le, le fait que les mobs se font tuer. Mais là euh, je crois que c'est l'avant-dernière. Non c'est l'avant-dernière plutôt euh, euh, vague. Euh, voilà s'il reste deux... Ah non Attendez, est-ce que c'est la dernière ou pas On va voir, de toute façon. On les, euh, on les voit à travers les blocs là. Les ravageurs qui sont en train de mourir de la lave, c'est vraiment les, les mobs les plus chiants. Bon, au passage, on a re-récupéré un effet de omen, de bas d'omen, mais ça ne fait pas un, un raid par-dessus un raid. Donc les gars, malheureusement, l'effet était clean. Voilà, alors là, on va avoir l'effet voilà, de la fin du raid. Alors, soit vous pouvez à tout moment arrêter vite la machine, voilà. Normalement, si vous avez de la chance, arrêtez la machine, parfait. Il oh, y a des bugs de XP, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, la machine en bas est arrêté donc il n'y a pas de problème au passage je vais vous montrer les loots en un seul raid donc voilà il y a ça Alors, je crois que ça fait un peu partout là voilà. en un seul raid pour vous montrer hein, ça dure combien de temps un raid je pense que ça dure euh, deux minutes je crois deux minutes trois minutes deux, non plutôt une minute 50 voilà en un seul raid vous avez 14 émeraudes et un totem offending et plein de trucs et surtout pouvoir mass livre bon là on en a pas eu évidemment mais vous pouvez avoir plein 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 de livres il n'y a pas de trucs au-dessus hein, les gars pour qui se demandent ça arrive toujours sur les blocs d'en bas euh, et surtout, il y a des petits trucs et astuces. Donc voilà, pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez savoir comment faire pour avoir plus d'embrodes et tout. C'est que le jeu sur Bedrock, il est fait très particulièrement. Et en gros, si vous restez à FK avec dans votre main une Looting 3, vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup plus de loot. Donc voilà, restez à FK avec une, dans votre main une Looting 3, n'importe quoi. Une Looting 3 en bois, en fer, en métal, en, en tout ce que vous voulez, on s'en fiche en pierre, en diamant même, vous pouvez. Et euh, vous allez avoir énormément de loot, et ça c'est pété. Et surtout, euh, au niveau des totems offending, c'est n'importe quoi, vraiment. Euh, je ne sais plus les coordonnées, euh, mais euh, j'ai fait cette usine euh, donc sur le serveur survie. Et euh, autant vous dire qu'en une nuit, j'ai à peu près 3-4 shulkers remplis de totems offending. Et attention, sans looting c'est-à-dire que si j'avais looting, je vous dis pas le nombre d'emrods de, 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 et tout. Bon, pour ce qui est des totems fine dying, euh, ça n'augmente pas la, le, le nombre d'items de, 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 qu'on peut avoir parce qu'à chaque fois dans chaque raid, on peut en avoir, je crois, maximum 2. C'est rare, mais souvent un. Vraiment. Par raid, on en a qu'un, je crois. Et c'est euh, que souvent, euh, très rarement 2. Voilà. Et là, vous pouvez voir que là, par exemple, vous pouvez partir, voilà. Vous pouvez partir chez vous. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Et le lendemain, vous revenez. Alors, si c'est un autre joueur, faites attention, comme je vous l'ai dit, de bien changer les tridents en haut et en bas, de les prendre et de les relancer pour que ça soit à nouveau l'autre joueur, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, vous arrivez, vous lancez la machine. Avec un peu de chance, ça va prendre un peu de temps. Ou, ah ben voilà, ça s'est fait en one shot, parfait. Ça relance la machine directe, ça refait tomber les mobs, etc. Et c'est extrêmement rapide, comme je vous l'ai dit, sans looting. En une nuit, j'ai eu 4 stacks de blocs d'émeraude. C'est énorme. Donc, autant vous dire que c'est l'usine que je trouve la plus cheatée et elle est extrêmement rapide à faire. Je l'ai fait deux fois sur le serveur. Et autant vous dire que la première fois on était en live, donc ça a pris un bon deux heures, trois heures parce qu'on était en live et que j'ai discuté pas mal. Et on était, euh, voilà, on faisait un peu n'importe quoi. Mais je l'ai fait à côté euh, tout seul, en perso, sans rien, sans que personne, euh, voilà, me bloque, on va dire. Je l'ai fait en une heure. Vraiment une heure chrono. Top chrono avec les outils. Surtout, comme vous le voir, elle est pas chère du tout elle aime extrêmement, alors là s'il meurt pas c'est normal, c'est parce que j'ai désactivé la machine, Il faudrait que je la réactive pour les qui meurent, voilà, mais on s'en fiche un petit peu, et voilà, et même si jamais votre machine a casse en plein milieu de la nuit et que vous êtes sécure, les raids au bout d'un moment ils se bloquent, c'est à dire qu'au bout de je crois 10 minutes, les raids ils se, ils sont, s'arrêtent ils en fait, ils, ils font dispo tous les mobs des raids, donc c'est pas un problème, et puis le lendemain si jamais vous avez eu des problèmes, ben vous pouvez... Euh, euh, Simplement réparer les petits problèmes parce que j'ai déjà eu certains petits problèmes avec cette machine. Que certains mobs spawnaient quelque part alors que c'est impossible qu'ils spawnent sur ça. Euh, ils ne peuvent pas spawn, je, je sais pas, mais ça m'est déjà arrivé. Pourquoi vous mourrez Vous mourrez de la lave, je pense. Euh, mais voilà, hein, si jamais ça casse à un moment, vous, vous mettez dans des blocs avec des gla des, des feuillages au-dessus de vous et vous mourrez jamais. Et les raids au bout d'un moment vont se désactiver par eux-mêmes. Bon, voilà, on va s'arrêter parce que je pense que la vidéo va faire un bon 30-40 minutes. Et euh, surtout parce que cette usine est très rapide à faire et qu'elle est ultra pétée. Je vous conseille de la faire avant qu'elle soit patchée. On est en 1.14.60, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, n'hésitez hein, euh, pas à la faire rapidement. Elle est facile et a produit énormément. Et c'est pété. Allez, on se dit à la prochaine. Dites-moi ce que vous voulez comme prochain tuto. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.